Ben écoutez, alors je suis extrêmement fier de ça, c'est-à-dire que en fait c'est une reconnaissance du travail de la Fondation. Je suis très surpris aussi, parce que je dois avouer que lorsque j'ai reçu le courrier me disant que l'université de Stirling voulait m'honorer, j'ai été très surpris parce que je ne savais pas que ici en Écosse, des professeurs, étaient au courant du travail que nous faisions. Voilà. So I'm very proud about it, very, very proud. It's an acknowledgement of the work we're doing at the Fondation, Fondation Thuram. And I was very surprised when I received the invite because I didn't know that well, the work we are doing was used in at the university. So I'm very proud indeed. What has been your message, or what would be your message to people leaving university today with their degree and embarking on a career, and what differences they could make? Mais la chose la plus importante pour moi, ce serait que chacun de nous, pas seulement les étudiants, que nous puissions remettre au cœur de nos réflexions la solidarité, c'est-à-dire comment nous pouvons construire une société beaucoup plus solidaire, sachant qu'aujourd'hui, le discours que les médias nous servent, que le discours que certains nous servent, c'est que nous devons être en compétition l'un contre l'autre. Et je pense que c'est extrêmement dangereux parce que ça nous emmènerait à finir tout seul. What is very important is not to forget the importance of solidarity and to put solidarity at the heart of our society, because we are living in a society where competition is more and more prominent, and if we continue like that, we are going to end up being alone. Monsieur Thuram, Lilian Thuram, sorry, is being recognized today for his outstanding contribution to football, as well as his commitment to tackle racism through education. In the name and by the authority of the Academic Council, I present to you for the honorary degree of Doctor of the University.